Bonjour tout le monde, comme vous voyez, je suis occupé en train de déballer à nouveau mes palmiers. Donc en effet, on a eu encore quelques nuits avec moins 3 degrés, moins 4, donc il fallait à tout prix remballer tout, surtout pour les cycas. Mais j'ai pas pris des risques pour le Washingtonien non plus. De l'autre côté, pareil, j'ai déjà enlevé la housse. J'avoue, c'est toujours assez décourageant de devoir emballer et déballer. Mais bon, voilà, il faut mieux parcourir des risques. Finalement, j'ai aussi perdu toutes les Washingtonia filifera qui sont restées dehors en pot. Il fallait le savoir. Finalement, il a fait jusqu'à moins 9. Et donc, vachement trop froid pour des jeunes palmiers en pot. Voilà. Le Phormium, il a l'air de souffrir aussi. On va voir s'il passera le cap ou pas. Et puis, idem pour les Dicksonia. La dernière fois, je vous ai dit, le cœur est encore dur, mais comme vous voyez, il y a des parties qui sont dures, mais le cœur même, reste à voir si il passera le cap. Le Livistona, idem. Comme vous voyez, c'est pas très joli à voir. Mais le cœur semble toujours attaché, même si je suis pas convaincu si ça va rester comme ça. On verra. Donc voilà, tout est à nouveau déballé. C'est vrai que c'est un peu de travail, mais finalement, une fois qu'on a l'habitude, ça m'a pris même pas une heure pour tout emballer. Samedi, et là j'ai tout déballé, ça m'a pris genre 30 minutes. Et au moins, on est sûr de ne pas prendre de risques. Donc voilà, je vous verrai dans une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.